Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Corogorcillon qui vous parle en direct de la 35e partie de mon playthrough de The Secret World. Je suis perdu au milieu de la campagne. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas démarrer l'épisode par une quête principale mais par la quête secondaire, hein, je vous l'avais dit. J'allais terminer la quête des pages manquantes vu qu'elle était en chemin sur le retour du phare. Vous remarquez aussi que j'ai changé les bottes, hein, vous ne les avez pas aimées, moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, j'ai remis les anciennes bottes d'officier, ça va pas trop mal avec le reste. Donc voilà, donc j'ai trouvé la page manquante. Donc j'espère que vous allez bien, que ce Spifrou vous plaît toujours. Et je me fais agresser. Un vivrier contaminé par la souillure. Est-ce que c'est voulu ou c'est un qui se promenait par là? À côté de ces machins là. Bon, on va ramasser. Alors, Montag, je sais tout. Il se croit tellement supérieur au reste de son équipe. Qu'est-ce qu'il en a à faire de Sam Krieg? Qu'est-ce qu'il en a à faire de mes aspirations littéraires? Il a peur que j'aille relater toutes ces foutues vérités. J'ai des sujets plus importants. Monty, ma perception est tellement plus profonde maintenant. Sam Krieg ne comprendra même pas ce qu'il a eu. Ok, j'ai rien compris. C'est pas grave. Apparemment, quelqu'un veut soit à Monty, soit à Sam Krieg. Ou aux deux. Alors, par contre, on s'éloigne du phare, ça me plaît beaucoup moins. Bon, au pire, je fais une ellipse. Tac-tac. Alors, est-ce qu'on va encore se faire agresser? Faut que je trouve la page manquante, elle est là. Et je me fais agresser, donc c'est volontaire et c'est encore un ouvrier. Ok. Donc c'est parfaitement volontaire. Oula, il y en a un deuxième qui est en train d'arriver. Je crois que je t'ai pas vu. Boum! C'est ça le prix. Alors. Ah merde, j'ai oublié de reculer. Comme d'habitude. Bon, on va ramasser la note. Alors, j'en ai soupé de cette spirale de merde et j'explose. Je ne vois rien, c'est avec les PC. Alors, je renie l'esprit de ce monde et je quitte cette bicoque. Tu crois pouvoir mettre la voix du monde au fer, Monty? Mais j'ai même saoulé le gardien du stade. Ouvre donc les yeux, c'est la réalité. C'est la souffrance épicée. Il y a une faute d'orthographe. Dans la phrase du monde parsemé de virgules. Tu es devenu optimiste, Sam. C'est ça ton problème. Ma voix essaie des ténèbres à présent. Mes mots sont les marteaux-piqûres du jugement et ma première sentence sera la suivante. Sam Krieg. Tiens, il a changé de prénom. Ne vous en dis pas la moitié. Alors, aller à la cabane du gardien du stade. Je sais plus ce que je suis en train de faire, c'est pas grave. Le gardien du stade? Mais il n'y a pas de stade ici.
C'est l'académie par là, il n'y a pas de stade. Il n'y a que des champs. Alors, tu es le gardien du stade souillé. Oula, 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 oula. Bon, par contre, il y a l'autre qui m'emmerde. Viens pas courir par ici, toi. Ouah! Comme il m'attire à lui. Va te calmer, oui. Et tu vas te calmer, oui. Ok. C'est tout? Apparemment, c'est tout. Ok, envoyez le rapport. Alors, ce message n'a pas pu être remis à son destinataire. Détail technique. Le système essaie de transmettre votre message, mais il a été rejeté par le domaine du destinataire. Nous vous recommandons de rester cool, parce que votre admin système préféré est sur le coup. Voici l'erreur envoyée. Salut Jerry, recevra un message quand elle allumera son téléphone. Ah, elle est partie à une fête au bureau. Ok. Bah, c'est ça, te fais pas chier surtout. Bon. Direction le phare, donc ellipse jusqu'à Itasca. Ah, Sam. Et voilà, donc nous sommes au phare avec Sam Cree qui va nous donner sa deuxième mission. La dernière, on va devoir tuer des mecs. Après, on aura enfin une quête différente. Malheureusement, c'est une quête de recherche, mais bon. Alors, j'espère qu'il va être de meilleure humeur que la dernière fois parce que j'ai très envie de lui planter mon fusil à pompe, vous voyez où, et de tirer. Voilà. Et après, il pourra plus s'asseoir. Bon. Soyons raisonnables. Comme s'il l'avait jamais été. Quatre-vingt-dix morts vivants sur un mur. Quatre-vingt-dix morts vivants. Si un seul mort vivant se casse la figure. Quatre-vingt-dix morts vivants sur un mur. Je crois qu'il est bourré. Les films se trompent. Toucher leur tête ne suffit pas pour les achever. Les morts se relèvent, l'ivresse passe. Tous les jours, c'est la même chose. Boire, tirer, écrire, boire, comme un hamster. J'ai surtout l'impression que c'est boire, 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 boire. Mais bon. Tour. Vous faites ça, vous aussi. Continuez, même si ça ne sert absolument à rien. Bah, j'ai pas le choix, alors, de toute façon. C'est évident que vous ne changez rien à l'histoire. Un homme intelligent dirait, ça ne marche pas. Je dois changer un truc. Il ferait les choses autrement, trouverait un moyen de s'en sortir, de mettre fin au cycle infernal. Plutôt que de tourner en rond bêtement. Mais je suis un écrivain. Je gagne un max à me répéter. Et vous? Espèce de perroquet. Sinon, changer un petit truc. Ah oui, tiens, il se relève l'autre. Il s'amuse. Ok, donc maintenant il est. Après avoir été très désagréable, il est bourré. Il sert à quoi ce mec? Avec sa chemise rose en plus. Oula, c'est quoi cette tête de citrouille? Non mais qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo, espèce de face de citrouille? Bon, reprenez des fusées éclairantes aux pêcheurs étripés. Ça a l'air passionnant. Voilà, voilà. T'as les cheveux bleus. Avec la tenue bleue et le t-shirt bleu. Et la masse rouge. Bon, par contre, t'es en face de bouton, tu gênes. Hein. Je vais pas dire. Tu lui fais le coup de l'ascenseur ou pas? Bon, apparemment, elle est restée en haut. Tac, tac. Alors, je vais aller là. Ok. Bon, apparemment, la phase de citrouille, c'est aussi de parachute. What the fuck? Bon, j'espère qu'il est pas sur la même quête que moi, celui-là. Tagadam, tagadam, tagadam.
Bon, j'ai quand même l'impression qu'il est sur la même quête que moi. Bon, au moins, c'est lui qui attire les monstres. Il moufle le chemin, il est gentil. C'est ça, attire tout vers toi. Ça me fera des vacances. Ok, donc apparemment c'est dans cette zone. Corps en mur. Ça c'est quoi? Mangeur. Pêcheur y tripait, hein, voilà. Ah putain, il y avait un corps dedans. Ah, il m'énerve qu'il lance pas l'ultra. Oula, c'est moi ou la musique va fort? Il me semble que la musique va un peu fort, non? Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une seconde. Je sais pas, il y a des fois où j'ai l'impression que ça va plus fort. Bon, lui, il m'emmerde. Mangeur, pêcheur y tripé. J'espère que ça drop à chaque fois et ça va. Bon, en fait, faut que j'attaque les groupes. Bon, toi, t'es tout seul. Alors, pêcheur et tripé, il y en a un là. Ah, il y avait un grand but dedans. Mais tu veux pas aller courir ailleurs, non? Ah, c'est vraiment une phase de citrouille, hein, le mec. Allez, prends-le. Mangeur. De toute façon, on est sorti de la zone ici. Un groupe, et si possible un groupe où il n'y aurait pas... Ah, là il y a un pêcheur, il tripite tout seul. Ah, j'ai peur que l'autre ne s'amène aussi. Ok, 4 plus qu'un. Mangeur. Le casse-couille est encore là. Il doit y en avoir ailleurs, non? S'ils ont fait la zone si grande, c'est qu'il doit y en avoir ailleurs. Là, il y a des feux follets. Pourquoi ils ont fait la zone aussi grande s'il n'y a rien de ce côté-ci? C'est ridicule. Face de citrouille, tu me casses les pieds, franchement. Ah, ici. Ok, elle n'en avait pas dedans, super. Non, ce groupe-là, il est pour moi. Alors, Pépé.
n'y a pas de fusée éclairante, quoi. Putain, mais c'est face de citrouille qui est en train de tout me prendre sous le nez. Il m'énerve, ce mec. C'est quoi, ça? Coran mu. Ah, là, il y a un groupe. Oui, je sais, je passe mon temps à râler sur ce jeu. Et ce jeu est frustrant. Ok, j'ai les fusées. Utilisez les fusées éclairantes pour attirer l'attention de Sam sur des groupes de zombies. Ok. J'ai rien compris. Bon, apparemment, je peux aller par là. Je suis censé faire quoi? Ça marche pas. Bon, j'ai pas compris ce que je devais faire. Ça leur met une loupiote sur la tête, mais ça sert à rien. Et avec face de citrouille qui tue tout le monde, je vais avoir du mal à faire le truc. Casse-toi. Alors attends, on va réessayer ici. Ah voilà, 1, 2, 3... 4. Ah, ok, il faut qu'il ait la zone de tir dégagée en fait. Ok, ah, c'est trop loin. Ok, il tue même les courants mu. Ça, c'est bien. Ah, si t'as envie de déglinguer les corps en mu, vas-y, hein. Ah oui, je suis trop loin. Vu qu'ils sont super chiants. Ah merde, j'en ai plus. Ah, connerie. Là, il y a un pêcheur étripé par contre. Je suppose que je suis trop loin si je vais par là, non? Mangeur, mangeur. J'ai pas tout suivi à cette quête. Bon, là, il y a des... Ok, mais si c'est lui qui les tue, je ne récupère pas la fusée. Fais chier. À pompe. Alors, je vais juste finir la quête d'abord. Je vois qu'il y a un groupe là. Tac.
Ok. Ramasser les cadavres à moitié dévorés. Putain, mais tu peux pas le dire avant, non? Non, faut se retaper tous les cadavres. Bon, fusil à pompe. Il est moins puissant que ce que j'ai. Et ça. 119 de valeur de guérison. Oh, ça c'est bien meilleur. Tiens, hop. Alors, ça c'est un cadavre. On va buter celui-là. Les baskets. Tu as crevé, oui. Ok. Est-ce qu'on peut encore récupérer les trucs? Oh, il y a face de citrouille qui se ramène encore. Ça me donne plus de fusil éclairante. Ok. On est à 5. Il y en a un. Ça fait 6. J'ai pas trop envie de m'affronter à ceux-là. Alors, je sais pas si la zone elle va pas jusqu'ici, mais il y a quand même des cadavres. Qui sont en fait plus faciles à ramasser. Je suppose que là il y en a un aussi. Comme quoi il faut pas toujours suivre la carte. Alors ça nous en fait 8. Utiliser les cadavres pour attirer les zombies et les faire tomber de la falaise. Oh là, il y a un... Attends. Bon, je peux planter ça et après. Rien à foutre, les cadavres.
Retentons le coup. Si je plante ça, ça fait quoi? Ah! Ok, il y a des onzons qui ont sauté. Oh, il y a Face de Citrouille qui il va me casser les couilles pendant tout l'épisode, celui-là. Et merde. Oh, merde. Fais chier. Faut que je me retape tout le chemin. Bon, je sais même pas où est le chemin. En plus, il y a un boss là qui m'emmerde. Alors, j'ai plein de zombies occultes et que ça va marcher. Non, ils ont pas envie de se suicider. Allez, cassez-vous. Bon, là j'ai mis un cadavre, mais ça ne marche pas. Ah, mais vous... Putain! Est-ce que je peux récupérer encore un cadavre du coup? Non, je peux pas récupérer de cadavre. Donc pourquoi quand je les pose ça ne marche pas? Ah, si, ça y est, là, il y a eu un effet. Ok, il y en a 3 qui ont sauté. Si je le mets ici. Mais putain, connasse, t'es sans salut à cadavre, pas sur moi. Oh là 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 là. Là-bas, il y en a qui sont en train de manger, donc si je lui remets un cadavre ici, ils vont venir. Non, ils ont l'air d'en avoir, mais alors rien à cliquer. Ah, celui-là, ça a l'air de les intéresser. Ok. Utiliser un télescope. Ok, quel rapport avec Face de Citrouille qui est toujours là. Ok, utiliser un télescope, c'est utiliser le télescope en fait. Ok, je suis censé voir quelque chose. Ah, à mon avis c'est ça, non? Ah, peut-être pas. La flaque de boue à côté. On peut pas remonter, non? Les deux en même temps. Bon, par là, il y a quoi d'autre? Par là, il y a rien du tout. Ouais, donc c'est ça. Par là, il y a rien du tout. Donc c'est ça, c'est ce machin-là. Après, il faut que je trouve le déclencheur. Moi je dis que c'est la grosse bête, mais... Attends, si je quitte... Non, il me dit d'utiliser le télescope. Ou c'est la mare de boue, les bidons peut-être. Je zoome sur les bidons.
Ah, voilà, ok. Tuer les Goliaths zombies. Tu te fous de moi, c'est des boss. Tu veux que je tue ça? C'est une blague? Sac à PV, mais ils font pas trop mal, ça va. Alors, il y a Mister Casse-couille qui est encore passé par là, donc du coup... Putain, mais il m'emmerde ce mec! Qu'est-ce que j'ai envie de le désinguer? Ah, il n'y a plus un Goliath maintenant. Non, à mon avis, ça c'est... Non, là, je crois que t'as vu les yeux un peu plus gros que le ventre, là. Ah, il les a butés, donc forcément, il n'y a plus le compte. Et il n'y en a pas ailleurs. Hein. Oh, il m'aura pourri l'épisode, ce mec. Ouh, il va pas faire partie de mes amis, celui-là. En plus, il est même pas mort, quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça repop. Hein, merci. Ah, il y en a pas un là-haut. Non. Et en plus, c'est des trucs qui mettent 2 heures à popper. Bon, t'as pas envie de dégager de la zone, non? Paf, je t'ignore. Ça t'apprendra. Bon, ça repop, oui. Oh. Quelle mission de merde. Tiens, je mange un bout en attendant. J'ai failli m'étrangler. Oula, 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 oula. Soir les mecs. Il y en a partout maintenant. C'est quand même pas lui qui a désingué tout ça. Oh,
On en est à deux. Déclenche ton ultra, bordel. Il faut aller désinguer le gros après. Je vais plutôt aller tuer celui-là. Essayons d'être un peu stratégique. Et déclenche l'ultra ? Pourquoi ça part pas ? Ok, c'est dit le plus obscur. Ouais, donc il faut bien tuer ce bidule. Mutation nécrotique. Il a l'air assez énervé. Il fait pas très très mal. En tout cas, ils ont bien abusé sur les PV. Aller à côté. Voilà. Alors, tac, tac et tac. Et maintenant, on va pousser ce rocher. Et je n'ai aucune envie d'aller dans les barils de souillure. Ça y est, c'est bon. C'est ça qui est censé sceller le truc. Ok, why not? Alors, on va envoyer le rapport. Ça me donne un pistolet dont je n'ai rien ciré. Ah, il me manque presque rien pour avoir un point de compétence. Alors, les points de prestige. Tourelle à fusil. Qui me place une tourelle à mes pieds. Ah oui, c'est ce que je voulais. Hop. Et ici, il me faut 7, 6. Ah non, 6. Ah bah, dégâts de fusil à pompe alors, hein. Hop. Voilà, et je vais arrêter l'épisode ici parce qu'on a déjà bien débordé, hein. Merci face de citrouille. J'espère que ça vous aura plu, même si j'aurais beaucoup râlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça aide et ça fait plaisir. C'était Corogorcillon en direct de mon playthrough de The Secret World. A bientôt pour la suite.